ce qui va se passer ensuite sous présidence française, eh bien, il y a un grand rendez-vous qui est déjà prévu le 11 mars à Strasbourg, organisé donc par les institutions européennes qui sont porteuses de l'initiative. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à cette occasion, eh bien, nous puissions, chacun des États membres et la Commission puissent faire état devant l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des conclusions de cette conférence. À partir de là, ce que nous espérons, c'est qu'on pourra en tirer, et c'est à la Commission de le faire, des thématiques et des propositions très concrètes. Et puis, je dirais, troisième étape, puisque Madame von der Leyen s'y est engagée, c'est que ces propositions concrètes eh bien, puissent être mises en œuvre très vite, puisque c'est un engagement qui a été pris devant les jeunes au moment de l'ouverture de la conférence. Et je crois que c'est quelque chose qui est très attendu.